panorama quotidien que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de Yara Chouch. Bonsoir Yara. Bonsoir Nermin, bonsoir tout le monde et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sissi s'entretient avec le président du conseil libyen Mohamed al-Menfi au palais d'Al-Ittihadiyya. Le président al-Sissi s'entretient avec le ministre qatari des Affaires étrangères, des relations fraternelles étroites qui renforcent la sécurité et la stabilité dans la région. Les autorités ukrainiennes annoncent avoir libéré Irpin, théâtre de féroces combats, à 20 km au nord-ouest de Kiev. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah al-Sissi s'est entretenu aujourd'hui avec le président du Conseil libyen, Mohamed el-Menfi, au palais de l'Ittihadiyya. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, le chef des renseignements généraux, Abbas Kamel, et le délégué permanent de la Libye auprès de la Ligue arabe, l'ambassadeur Abdelmoutalib Idriss. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le chef de l'État a salué la visite de M. el-Menfi, tout en confirmant les fortes relations entre les deux pays. Le chef de l'État a aussi exprimer l'intérêt de l'Égypte de trouver une solution politique à la crise libyenne à travers des élections législatives et présidentielles dans le pays. Le président Abdel Fattah al-Sissi s'est aussi entretenu aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Cheikh Mohamed Aboul Rahman al-Thani, en présence du ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, et le chef des renseignements généraux, M. Abbas Kamel. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le chef de l'État s'était félicité de la visite du ministre qatari des Affaires étrangères au Caire, lui demandant de transmettre ses salutations à son frère, son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Le ministre qatari des Affaires étrangères a pour sa part exprimé son bonheur de rencontrer le président Abdel Fattah al-Sissi tout en transmettant les salutations de l'émir du Qatar ainsi que son souci de consolider les relations fraternelles étroites d'une manière qui renforce la sécurité et la stabilité dans la région. Le président Abdel Fattah al-Sissi est également entretenu aujourd'hui avec le ministre angolais des Affaires étrangères Titi Antonio en présence du ministre des Affaires étrangères Samah Choukri, la ministre angolaise de la Jeunesse et des Sports Anna Paula et l'ambassadeur angolais au Caire Nelson Manuel. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le chef de l'État a transmis ses salutations à son frère, le président João Lorenzo, tout en confirmant l'importance de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment l'échange commercial, les investissements, ainsi que la coopération sécuritaire et militaire conjointe. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense, Mohamed Zaki, a inspecté les phases de la formation des nouveaux cadres de combattants qui ont récemment adhéré aux unités de la 3e armée chargées de la lutte contre le terrorisme et qui sont stationnées à l'est du canal de Suez. Le ministre de la Défense a également assisté à des parades d'activités sportives et pédagogiques qui se tiennent quotidiennement dans les unités. Il a en outre participé à une simulation d'une mission réelle chargée de sécuriser les embuscades et qui a reflété la haute performance des combattants de la 3e armée. L'autorité générale du canal de Suez a organisé une festivité pour célébrer le jour de l'excellence, jour du dégagement du porte-conteneur Evergreen qui s'était immobilisé en travers du canal de Suez, bloquant le trafic maritime pendant 6 jours. Au cours de la festivité, le président de l'autorité, le général Oussama Rabi, a honoré nombre de travailleurs distingués du canal ainsi qu'au nombre des icônes nationales. Dans son allocution lors de cette festivité, le président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabi, a abordé les derniers développements de la rénovation du secteur sud du canal, affirmant que cette rénovation vient à la tête des priorités de la direction politique. Selon le général Rabi, cette rénovation visant une longueur de 122 km
km du canal a pour but d'améliorer de 28% le trafic maritime dans le sud du canal. Évoquant les répercussions économiques de la crise ukrainienne, le général Rabi a affirmé que le système maritime dans le canal n'a pas été affecté par cette crise. Il a ajouté qu'en 2021, quelques 4 434 navires ont traversé le canal de Suez, transportant des cargaisons de 281 millions de tonnes, dont la valeur s'élève à 1,36 milliard de dollars. Les indices de la bourse du Caire subissent une hausse collective à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat des investisseurs arabes et des institutions locales. L'indice principal gagne 1,1%, atteignant 11 365 points. Les deux indices, EGX 70 et EGX 100, ont respectivement haussé de 0,2% et de 0,7%. Concernant le dossier ukrainien et sur le terrain, le ministre russe de la Défense a estimé que dans l'ensemble, les objectifs de la première étape de l'offensive lancée le 24 février étaient atteints. Les autorités ukrainiennes